Qui dit spectacle dit préparation. Sur scène, tout ne se fait pas en un claquement d'ailes. Il faut entraîner les oiseaux chaque jour. Un travail long et minutieux. Regard en coulisses, des répétitions des artistes. Les graines qui vont servir à récompense au spectacle. Même poids, ça peut changer. C'est comme des boxeurs ou des sportifs de haut niveau, il faut les peser tous les jours. Allez, gros. Tous les matins, on sait à peu près leur poids, s'ils ont perdu, s'ils ont pris. Alors les manchots, ils ont en gros un tiers de leur ration le matin, qu'ils soient entraînés ou pas. Et à peu près les deux tiers en fin de journée après les spectacles. Voilà. Après, il y a toujours des récompenses pendant les spectacles, évidemment. Donc là, on est sur du signal visuel, c'est le peau blanc. Ils ont fait l'association entre le peau blanc et la récompense. On a d'autres signaux visuels comme des cibles, où on va apprendre par exemple aux gruges, on va leur apprendre à se poser sur une cible. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours un peu moins bien. C'est pour ça que le matin on les entraîne, c'est pour savoir comment ils réagissent au jour le jour et puis choisir le meilleur. C'est trois kariyamas donc qui vont aller sur scène chasser leur serpent. Les trois sont dressés pour faire la même chose. Finalement, il y en a qui sont moins trouillards que les autres. Oui, un petit peu, ouais. Bah, y en a qui sont plus téméraires, bah, on voit déjà chacun du coup son caractère, quoi. Quand ils seront en vol, ils sauront que les nourrissages, c'est sur scène. Ce sera un repère pour eux. Ouais, tout à fait.